come to you. The storm is coming soon, rolling from the sea. My voice a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? Ok, ça va. Pensée nocturne ce soir. On va essayer d'élaborer sur le fait qu'il y ait des jeunes qui se sentent déjà vieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que à 25 ans, certains sociologues vont te dire que tu es encore un adolescent parce que tu vis encore chez tes parents et que tu es dépendant encore du foyer des parents. Alors qu'on peut se sentir déjà vieux à 25 ans. Moi, j'ai des grandes lunettes, j'ai cet âge là, je vis chez mes parents, il y a tout un côté de moi adolescent, il y a tout un autre côté ressemblant à une vieille personne. Alors c'est le vécu de chacun. Les ressentis, on peut se tromper, hein. À 25 ans on pense pas comme à 35. Si aujourd'hui j'ai 60 ans, ou 50, ou 70, à 35 j'aurai 80 ans, et à 80 ans j'aurai 150, 170 ans, ça c'est la beauté. Donc, il y a des choses qu'on demande, des choses de jeunes qu'on va demander à un jeune de 25 ans, puis il ne va pas pouvoir les faire. Il ne va pas pouvoir accepter. Parce qu'il est déjà plus loin. Donc, quand quelqu'un refuse de venir aux soirées, de s'enfumer, de flirter, parce qu'il a envie de se marier, de fumer sa pipe à la maison, de lire ses bouquins, et puis de vieillir en paix. Les jeunes vieux, c'est pas du tout présomptueux, c'est pas, parce qu'encore une fois je crois que je suis pas forcément dans le juste, c'est juste un ressenti. Mais je suis étudiant, je vis avec des jeunes. Je fréquente que des jeunes. Mais mes amis, mon entourage, ils ont tous une part de vieillesse en eux. Les vieux, vous savez comment ils sont. Ils parlent pas beaucoup. Ils jouent aux cartes. Et moi, mes amis, à PlayStation, on boit du whisky, on n'aborde pas forcément les vrais sujets.
l'impression qu'on attend la mort. Quand la mort viendra nous chercher, ça veut dire que la vie n'aura plus rien à nous apprendre. Mais ma part d'adolescence, moi, me dit que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai tout à apprendre. Parce que j'ai encore rien compris. Fait que je suis attiré par ce genre de proverbe. J'aime aussi le proverbe qui dit c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes.